J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Bigoni et Mohand Belabdelouaed de Simoptique et d'Intermarché. On a parlé ici d'innovation. Là, l'idée, c'est de rentrer dans le détail d'un projet. On a vu qu'il y a des belles histoires qui peuvent se créer et ça, c'est super. Donc peut-être un mot d'abord. Alors, on connaît tous Intermarché. Un mot peut-être sur Simlab. Mohand, s'il te plaît. Et bonjour à tous, je suis le cofondateur et le CEO de Sim. Donc Sim, on est une start-up qui réinvente tout le parcours de santé optique, de la prescription jusqu'à l'achat de lunettes. Donc on est parti d'un constat qui était que le parcours est encore trop long, trop coûteux, parce que le délai d'attente pour avoir un débouché l'ophtalmo est de plusieurs mois, est trop coûteux parce qu'on a souvent un reste à charge trop élevé. Donc on a réinventé tout le parcours, donc on a développé des points de vente où en 30 minutes vous pouvez faire un examen de vue, avoir une prescription en téléconsultation asynchrone et pouvoir avoir accès à des lunettes sans reste à charge et sans avance de frais. Donc ça on l'a développé à travers Intermarché, on ne voulait pas être un énième retailer optique, donc avec des boutiques. On ne voulait pas être une énième marque de lunettes. Donc on a profité du réseau Intermarché pour aller dans les déserts médicaux, puisque c'est là où il y a le délai d'attente le plus élevé, où vous avez un certain nombre de Français qui n'ont pas accès aux soins ophtalmologiques, mais aussi parce qu'il y a souvent un reste à charge trop élevé. Donc on a développé ça avec cette volonté de pouvoir démocratiser l'accès aux soins pour tous et partout sur le territoire. Donc une belle histoire, une rencontre finalement un peu au démarrage du lancement de votre société. Oui, oui. Alors nous, on a commencé, on était en plein Covid, où on a repensé un petit peu donc tout le parcours avec le boom des téléconsultations. C'était pas encore dans la culture française. Donc effectivement, on a voulu aller au plus près des Français. On voulait faire du retail non traditionnel. Donc on a tout de suite pensé à des corners à travers un grand réseau de distribution, des camions. Et donc est venu assez rapidement les différents acteurs et les mousquetaires avec un des plus gros réseaux en France, avec un point de vente tous les 17 km. Pour une start-up, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de pouvoir scaler, de pouvoir aller au plus près des Français. Et donc, effectivement, on est rentré en contact avec les mousquetaires. D'accord. Donc, la rencontre avec la direction des services directement, direction marketing service, ou ça passait par plusieurs voies avant de rencontrer Sandra? Alors, il faut comprendre que on était une toute petite entreprise. On était trois avec mon associé. Il y en a plein ici, où ils peuvent être trois dans l'entreprise. Donc effectivement, il y a eu des sujets qui ont été abordés pendant la table ronde. Où, quand on est une start-up, comment on fait pour pouvoir avoir accès à des grands groupes? Donc l'idée, c'est d'arriver. On essaye de regarder un petit peu son réseau, on essaye d'envoyer des mails. Et effectivement, on a eu un contact assez rapidement. Ça a été un petit peu long, mais ça, voilà, on nous a réorienté directement au marketing des services. Donc Sandra, cette rencontre, est-ce qu'il y avait déjà toute une stratégie de vouloir investir le domaine de la santé, ou est-ce que c'est la rencontre qui a créé l'occasion, l'opportunité? C'est beau. Oui, il y avait de la réflexion en fait sur des sujets de répondre à des problématiques de désertification territoriale, mais c'est vrai que se pencher sur la santé, Simoptique a été l'opportunité qui a fait que ça a accéléré les choses.
Donc la rencontre elle s'est faite effectivement via les partenariats initialement, mais rapidement avec le marketing des services. Et ça a été une évidence en fait de travailler ensemble parce qu'on a des valeurs communes avec les équipes de Simoptique au niveau d'Intermarché. Comme le disait Mohand, effectivement, on a un groupement où on a un magasin tous les 17 kilomètres. Donc on a un mariage territorial qui permet effectivement d'aller au cœur des territoires et de ces problématiques de désertification, notamment ophtalmologique. Et du coup, la notion aussi de magasin de proximité que nous avons et que nous portons au quotidien, voilà, il y avait vraiment cette évidence de travailler ensemble, de collaborer et d'apporter une solution à nos clients. Et avec cet angle de soins et cet angle aussi d'offres qui aident au pouvoir d'achat. Donc il y avait vraiment ce binôme de solutions qui était intéressant pour nous. Alors, il marche celui-ci, oui. Et alors, quand vous rencontrez, vous voyez qu'il y a un projet vraiment intéressant à mener. J'imagine que d'un coup, on n'équipe pas l'intégralité des points de vente Intermarché. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les étapes, comment ça s'est passé? Oui, bah alors, du coup, on a mis en place des tests dans quelques magasins, dans quelques points de vente sur différentes régions pour voir l'appétence, pour voir comment ça fonctionne, les premiers résultats. Ça a été explosif, j'ai envie de dire, Mohand. L'accueil a été unanime, que ce soit de la part des clients, de la part des collectivités territoriales dans lesquelles nos magasins sont présents et de nos adhérents qui sont en attente de pouvoir déployer au plus vite. Donc, effectivement, il y a quelques chiffres. Aujourd'hui, on est à plus de 100 magasins déployés en 9 mois. Il y a plus de 5000 personnes qui ont pu bénéficier de cet examen de vue et avec une satisfaction complète pour nos clients. Effectivement, alors on a fait une phase de test. Donc la phase de test était assez importante pour les deux parties puisque... On devait être sûr de pouvoir avoir différents facteurs pour pouvoir déployer. Donc on a déployé là où le délai d'attente était extrêmement long pour avoir en ébauché l'ophtalmo, là où il n'y avait pas énormément d'opticiens aux alentours. Et donc cette phase de test a été un succès. On a répondu à une véritable demande, que ce soit du côté des patients, mais aussi du côté des adhérents, donc les chefs d'entreprise des magasins, puisqu'on a réussi à avoir, on a réussi à driver du trafic peut-être un peu plus jeune que les clients habituels d'Intermarché. Et effectivement, aujourd'hui, on a une innovation du côté santé, puisque sur les 5000 patients qu'on a pu traités ces 9 derniers mois, on a réorienté 5% d'entre eux vers un rendez-vous physique, puisque c'est une téléconsultation qui se fait. Mais dès qu'on sent qu'il y a une maladie asymptomatique qui peut être détectée, on renvoie vers l'ophtalmo. Donc là, on a des véritables questions de santé publique. Donc on ramène les gens qui sont souvent en dehors du système de santé vers le système de santé parce qu'ils n'ont pas accès aux médecins. Et de l'autre côté, on a réussi à vendre à peu près 7000 lunettes, un peu plus de 7000 lunettes, puisque on a une proposition de valeur qui est extrêmement forte du côté produit, puisqu'on est distributeur et producteur de montures, mais aussi de verres. Donc on a coupé tous les intermédiaires, ce qui nous permet de pouvoir avoir un produit sans reste à charge, sans avance de frais, et des produits assez top, quoi. Et Sandra, pour les points de vente, vous constatez en fait que c'est la clientèle habituelle qui est très contente de bénéficier d'un nouveau service, ou est-ce que ça apporte également de nouveaux clients au magasin? C'est encore aujourd'hui un petit peu difficile à évaluer. On est en train de voir comment mesurer ce point. Pour autant, on a fait des enquêtes auprès de nos clients qui ont bénéficié de l'examen de vue pour pouvoir voir effectivement si c'était des clients habituels. Il y a quand même un pourcentage de clients nouveaux, donc qui viennent spécifiquement parce qu'ils ont vu l'examen de vue proposé par Simoptique.
Aujourd'hui, c'est pas l'axe majeur de recrutement client. Donc, c'est vraiment plus de la fidélisation, du passage complémentaire en point de vente, parce que plus de la moitié de nos clients qui font l'examen de vue en profitent pour faire leurs courses. Donc, il y a quand même un chiffre d'affaires additionnel par ailleurs. Donc, il y a du trafic généré en complément. Et tu me disais dans la préparation, il y a une liste d'attentes de points de vente qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir bénéficier de ces nouveaux services. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est une start-up pour arriver à scaler et à suivre le rythme ? Effectivement, enfin, on parle d'un énorme groupe qui pèse 45 milliards, 300 000 salariés. On a commencé, on était tout petit, donc... les prémices étaient assez longues parce que on a besoin d'échanger, on a besoin de se comprendre, de comprendre est-ce qu'on est aligné sur les valeurs, sur les intérêts. Quand ça s'est validé, j'ai envie de dire qu'il faut avoir sa ceinture, son harnais, parce que ça demande d'aller extrêmement vite, parce que c'est un succès, c'est des indépendants, ils veulent tous avoir le service. Donc là, on se confronte à une vraie problématique opérationnelle de pouvoir déployer rapidement et correctement. Mais il y a un point en fait qu'on n'a pas abordé et qui a été quand même pas mal abordé avant, justement sur la notion de partenariat, la solidité de la start-up et l'accompagnement des groupes, justement. Donc au-delà du partenariat avec Simoptique, en fait le groupement des Mousquetaires a investi au capital de Simoptique pour justement accompagner la croissance et pour pouvoir stabiliser un peu le développement. Donc c'est un axe aussi majeur dans le partenariat qu'on peut avoir et dans l'accélération du développement, même si forcément le temps d'acquérir le matériel nécessaire, recruter le personnel, ça prend un peu de temps et d'où l'impatience de nos adhérents qui croient vraiment à ce service. Mais c'est quand même un soutien en plus. Mes résultats, je suis Cora, je suis Leclerc, je suis intéressée, je peux plus travailler avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? Non, effectivement, ça a été un choix de part et d'autre, hein, mais quand vous êtes une start-up, vous essayez d'innover, vous avez une belle stratégie de déploiement, de développement, donc vous allez chercher le meilleur partenaire que vous pensez. Et on a fait le choix de donner l'exclusivité à Intermarché pour la simple et bonne raison, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont partout, ils sont surtout dans les territoires où il n'y a pas grand chose. On a un alignement avec Intermarché qui, eux, je parle sous ton contrôle, Sandra, de réanimer les territoires et nous d'aller vraiment dans les territoires pour pouvoir répondre à un besoin des Français qui n'ont pas accès aux soins. Donc on risquait pas grand-chose de ce point de vue-là en se disant qu'on a le meilleur maillage territorial pour pouvoir déployer notre solution. Et puis voilà, c'est... Oui, puis dans la vie, il faut faire des choix. Vous en avez bien. Aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, jusqu'où vous voulez aller avec ce service ? Parce qu'aujourd'hui, donc, une centaine de points de vente, 200 sur liste d'attente. Est-ce qu'il y a un chiffre maximum d'équipement qui est prévu, de nombre de points de vente ? En termes d'objectifs, effectivement, qu'on s'est fixé au moment du déploiement, c'est de pouvoir proposer le service dans 700 points de vente d'ici à 2025. Et puis, effectivement, il y a d'autres opportunités pour élargir le service. Et effectivement, on est aujourd'hui en train de bousculer l'industrie de l'optique et tout le parcours de santé optique, mais on va lancer une verticale qui est l'audio, puisque on l'a constaté, hein, c'est à peu près les mêmes clients pour nous qui ont besoin d'être équipés en appareil auditif. Donc on est en train de déployer un test sur les tests audio, sur les aides auditives. Très bien. Est-ce que vous voulez partager avec nous peut-être le moment qui a été le plus critique au départ dans le montage du partenariat ? Quelque chose où vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ouais, moi je peux commencer. C'est quand on parle à un grand groupe comme Intermarché, alors c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, parfois beaucoup d'intermédiaires sur le décideur, mais au début, c'était de vraiment expliquer qu'on n'était pas un vendeur de lunettes, qu'on était vraiment, on ramenait du service
et le service dans les magasins. Ça a mis un peu de temps. Et c'est ce qui a fait que ça a vraiment déclenché quand ils ont bien compris ce qu'on faisait, ce qu'on vendait et quel pouvait être l'intérêt pour Intermarché qui veulent réanimer les territoires. Moi, je pense que ça a été vraiment un moment charnière pour nous, dès lors qu'ils ont vraiment compris que c'était du service de santé, de proximité, avec une véritable valeur ajoutée. Je dirais que de mon côté, en fait, c'est l'étape plutôt suivante où on était convaincus, en fait, nous au marketing des services, enfin, avec Sim, on était convaincus effectivement que ce service était important, qu'il y avait un besoin, mais on ne s'attendait pas à un tel enthousiasme de la part de l'ensemble de nos adhérents. Et effectivement, d'avoir cette fameuse liste d'attente de nos points de vente. Donc, il a fallu aussi gérer ce déploiement qui va quand même prendre un petit peu de temps et gérer les frustrations de certains de nos adhérents à être très pressés de l'avoir. Donc c'est cette situation-là qui est du coup, même en termes de déploiement, on a un peu revu notre copie sur la façon de faire. Donc voilà, il y a eu un petit moment d'ajustement, enfin, ce qui est le cas dans toutes les gestions de projet, mais effectivement c'est ce point-là majeur. Merci beaucoup d'avoir partagé ce joli projet. Est-ce qu'il y a une question pour Intermarché, pour CIM? Parce que tout était tellement clair, vous avez la vision parfaite du projet, sans mauvais jeu de mots. Bon, on vous remercie infiniment, merci. Tous les deux. Merci.